Mon père était un cirque et un cinéma. J'ai commencé à aller sur la piste à 2 ans. J'étais clown, acrobate et trompettiste. Et ben, mes souvenirs, c'est qu'on était heureux et on avait du travail puisque on était des gens du cirque. On passait partout et on amenait la gaieté, quoi. On était mon père, ma mère et 9 frères et sœurs. Ils sont tous morts pour les privations qu'ils ont eues dans les camps. Les caravanes, ils les ont mis, ils nous ont arrêtés, escortés, la police française. Hein. Ils nous ont mis dans une usine. Ils ont fait mettre les caravanes tout au long du mur. Et après, ils nous ont emmenés, nous. Et un beau jour, à 6 h du matin, ils ont dit, vous préparez un peu de linge, on vous emmène. Ça fait qu'ils nous ont emmenés de Rouen ici. Je me suis évadé avec mon frère et on a été repris. Parce que j'ai été vendu par le maire de mon pays que je suis né. J'avais un cousin qui était sédentaire. On s'était réfugié chez lui. Alors lui, le maire du pays, il avait dit à mon cousin, on va écrire, faire venir un acte de naissance, comme ça je pourrais leur donner des cartes d'alimentation. Mais au lieu de donner l'acte de naissance, il a prévenu la police et hop, ils sont venus nous reprendre. C'est les Français, ceux qui nous ont arrêtés, c'est pas les Allemands, hein. Les flics, quoi, la police. Le matin à 6 h, comme ils ont pris chez mon cousin, ils nous ont emmenés au commissariat. Et là, on a attendu, parce qu'on était attachés, c'est avec les menottes, après le siège du camion. Bon, on a attendu à peu près 1 h. Après, ils sont venus avec des chaînes. Et moi, ils m'ont mis la chaîne, là, et mon frère, la chaîne après sa jambe. Et ils nous ont ramenés ici. Ouais, parce que t'as pas le droit de rentrer là-bas. Il n'y a plus le camp. Ils ont tout cassé, ils ont tout enlevé. Et maintenant, c'est où qu'ils font les machins secrets, là. C'est les moteurs, les courses, tout ça, là. Ils veulent plus que tu rentres. Bah, l'endroit, là, c'est le camp qui est là-haut qu'on était. On était là, nous, dans le baraque, là. On est à l'entrée de l'ancien camp. Le camp, l'entrée était là, le camp était là. Alors on passait là pour aller dans le camp là-haut. Parce que tout ça, c'était des bois. Il n'y avait pas le parking, il n'y avait rien. C'était des bois. Ah ben, comme tout le monde, hein. Quand tu as plus ta liberté, t'es triste. Hein. Ça reste toujours là-dedans. Là. C'est gravé, ça s'en ira jamais. Ça change pas beaucoup. Hein. Toujours pareil. C'est même pire en pire. Il n'y a pas que pour nous, hein. Pour tout le monde, pareil. Comme je vis avec mes enfants, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, j'essaye d'éviter la misère. Parce que la misère, c'est pas bon. Alors j'aide tout le monde. Voilà. Que ce soit un noir, que ce soit un rome, que ce soit un gens de voyage, c'est pareil. On est tous des humains. Alors pourquoi faire de la misère? La misère, c'est pas bon.